ça va? Eh ben, on a hâte de savoir. Ouais. Alors, c'est un influenceur qui a commencé YouTuber et qui est devenu influenceur, comme beaucoup. Il s'appelle Sullivan Gwed et il est suivi sur ses réseaux par des millions d'abonnés. Il a 21 ans et figurez-vous que ça fait déjà 7 ans qu'il crée du contenu sur YouTube. Donc oui, il a commencé à 14 ans. Il a aujourd'hui donc 5 millions d'abonnés sur l'ensemble de ses réseaux. Je dis des millions, mais 5, c'est quand même beaucoup. Donc il y a 7 ans, il a commencé à 14 ans à poster des vidéos pour tuer l'ennui avec le compte Un Panda Moqueur. Pourquoi? Je ne sais pas. Il se lance et tout va très vite. Voici une de ses premières vidéos qui cumule aujourd'hui 1 600 000 vues. Salut tout le monde, je m'appelle Sylvane et... je suis petit. Quand t'es petit, que tu fais 4 ou 16 ans, toujours les mêmes problèmes. Là, je suis sûre que vous êtes en train de me dire « Ouais, mais de toute manière, c'est ça, ça fait problème, tu ferais mieux de fermer ta bouche, quoi. » Voilà, donc il avait 14 ans à ce moment-là, il habitait dans le Var où il a grandi, puis ensuite il est monté à Paris et c'est ce qui a changé sa vie. C'est lui qui le dit, il s'est trouvé en matière de mode, en matière de mode de vie et surtout, il a monté une coloc avec ses potes rencontrés sur Internet. Ses potes, ce sont d'autres influenceurs très connus. Je parle de Bilal Hassani, que vous connaissez certainement, et aussi au milieu, c'est Sandy Joule et Paola Locatelli. Nous, on ne les connaît pas, mais les ados, eux, les suivent sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont poster des vidéos tous ensemble, bien évidemment, puisqu'ils habitent, c'est une coloc qui s'appelle La Fabuleuse, mais aussi, lui, son truc, c'est le vlog. Donc, le vlog, c'est je raconte ma vie de tous les jours sur YouTube. Voilà, donc, il parle de ses coups de blouse, donc, quand ça va bien aussi, ses conseils mode. J'ai voulu demander, en tout cas, à un de ses abonnés pourquoi, en fait, on aime tant ce Sullivan. Gabin, 19 ans, m'a répondu. J'adore Sullivan, ça va faire depuis le collège que je le suis ce mec. Enfin, j'adore sa personnalité un petit peu foufou, très good vibes. Je pense que c'est ce qui le rend unique sur les réseaux, c'est qu'il est très, très différent de ce que les autres influenceurs peuvent proposer sur les réseaux sociaux. Unique, okay. Il voilà. Est unique. Voilà, il est différent. Donc ça c'est pour le point de vue de Gabin, 19 ans. Léa, 17 ans, elle aussi a bien voulu nous répondre. Alors Sullivan, je le suis depuis 2017. Et ce qui me fascine chez lui, c'est sa créativité et son ouverture d'esprit, mais surtout la façon dont il a à aborder des sujets très importants, comme l'acceptation de soi qu'il fait à travers la mode, nos différences qui font de nous des personnes uniques et incroyables. Et aussi, ce qui est génial, c'est qu'il nous montre dans ses vidéos les bons comme les mauvais moments de la vie, et que peu importe la situation dans laquelle nous sommes, on sortira de cette situation vainqueur, la tête haute et fière. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'il l'aime parce qu'il est un peu différent, mais surtout en fait, il leur délivre un message, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, positif de « sois toi-même et peu importe si ça dérange ». Parce que lui, en fait, toutes ces histoires de look, il adore porter des talons, etc., il regrette que la mode soit genrée et il se bat contre ça. Donc c'est ce genre de message qu'il délivre à ses abonnés. Il leur parle aussi beaucoup du harcèlement, comme dans cette vidéo, regardez. Internet peut aussi être un endroit genre qui détruit les gens. Internet peut détruire une personne genre comme ça. Genre c'est incroyable comment la puissance d'Internet, c'est vraiment ouf. Moi, sur Facebook, j'avais des pages à des millions de gemmes qui s'amusaient à m'exploser. Mais c'est un truc de malade. Genre c'est incroyable toute la haine que j'ai pu recevoir au cours de ces années. Et là j'en parle normalement. Genre vous voyez là, je suis pas en train de trembler ou quoi que ce soit. Même si genre à l'époque ça m'a vraiment donné une grosse gifle. Et heureusement que j'avais des personnes, j'avais mes amis, je savais que j'avais une famille qui m'aimait, des amis qui m'aimaient. Cette mise en garde, elle est importante quand même pour tous ces ados qui le suivent, qui ont envie d'être youtubeurs, ça les fait rêver. Ouais, c'est pas si simple. Ah voilà non. Ce qu'on peut se prendre en pleine figure. Voilà. Ah, vous en savez quelque chose, Yacine, avec tous vos followers? Ben non, mais en l'occurrence, il n'y a pas que des gentils, millions. En revanche. Ça, c'est sûr. En tout cas, il a décidé d'écrire un livre qui s'appelle Fashionology, soit mode et soit toi. Si vos enfants ou vos petits-enfants aiment Sullivan, je pense que c'est un beau cadeau à leur offrir. C'est aux éditions HarperCollins. Et là-dedans, il y a des conseils de mode, mais on en sait plus un petit peu sur sa vie, sur son parcours, tout ça, tout ça.